Coucou mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que tout va bien se passer pour le mois de décembre. On va voir ensemble les messages pour finir l'année 2022. On commence avec l'oracle de la triade. L'oracle de la triade pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Richesse, richesse, l'argent, un gain, une prime, une récompense pour vous pour le mois de décembre. Prime de Noël peut-être. Prime de fin d'année pour certains. Racine, il y a la famille. Ah, peut-être pour certains, c'est une donation, un héritage, quelque chose. Sceau, mensonge et nécessité. Donc c'est aussi par rapport à... Ouais, on vous a... Il faut faire attention aussi par rapport à des non-dits, des secrets où on a caché quelque chose qui sera peut-être... Vous allez pouvoir éclaircir certains points au niveau famille, niveau documents d'héritage, documents administratifs, hein, on vous doit quelque chose, il se peut. Hein. C'est pour ça que vous allez recevoir la contrepartie nécessaire qu'on vous doit. Gémeaux, la coupe. Protection, richesse, ça revient. Enfin, vous serez récompensé. Vous allez recevoir cette somme due qu'on vous doit. Ou, comme je vous dis, une prime inattendue. Hein. Alors, le passé récent, le présent, le conflit, les questions, les problèmes. Les réponses. Enfin, la synthèse pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Pardon. Mensonge, ça revient. On vous a caché quelque chose. Hein. Ou c'est vous. C'est vous, vous avez caché. Hein. Vous voyez, le pardon, vous avez envie de passer à autre chose dans le passé ou d'oublier. Hein. Et vous vous mentez à vous-même parce que c'est pas vraiment fini. Hein. Cette histoire n'est pas finie. On a essayé de rétablir les connexions, de rétablir les choses, mais c'est pas fini. Alors, le problème, c'est le désert, c'est la solitude, c'est peut-être aussi d'être à l'écart où vous êtes éloigné. Le problème, c'est soit c'est vous qui vous êtes éloigné de cette situation pour fuir ou fuir cette situation. Ou c'est les autres qui vous ont mis à l'écart, qu'on vous a, comment dire, on vous a imposé cette solitude, hein, elle était imposée. La réponse, silence, waouh, mensonge, silence, il y a des secrets, hein, il y a des secrets, il y a un secret de famille ou un secret par rapport à une situation. Hein. Et la synthèse, nécessité, alors waouh. La réponse aussi peut-être à vous de tenir secret une situation pour le moment au mois de décembre, de ne pas dévoiler, de ne pas révéler quelque chose, hein, par rapport à ce néant, par rapport à cette perte, à cette solitude, à une perte aussi, hein, une perte de quelqu'un, une perte de travail, une perte, quelle que soit la notion de perte là. Pour le moment, ne le dites pas. Là, c'est une nécessité. Hein. Parce que je ne sais pas pourquoi l'âme, énergie, mensonge, message. Ouais, c'est une révélation. On vous a révélé quelque chose. Qui vous a mis dans ce silence, dans cette perte de confiance, dans cette solitude, et que là, vous avez besoin de retrouver une force mentale, une force aussi. Ça vous a anéanti totalement, hein, cette révélation, cette information. Et
Là, il y a limite aussi un sentiment de désespoir, hein. Je ressens aussi une perte d'énergie que vous avez commencé à sentir au mois de décembre par rapport à ce qui se passe là, hein. Il se peut aussi au niveau santé pour certaines personnes, manque de vitalité, il faut faire du sport peut-être pour retrouver cette puissance. Perdu, hein, une énergie perdue, nécessité de l'âme aussi, mais c'est aussi plutôt aussi mental, hein. Il y a une perte d'énergie mentale, une perte de confiance, une perte de vitalité, d'objectif, et quelque chose qui vous a vraiment affaibli mentalement ou physiquement, quelque chose qui s'est passé par rapport à peut-être une information qui vous a était caché, mais là révélé au mois de décembre. Une révélation. On dit les vérités par rapport à ce mensonge qu'on vous a caché, hein. Ou c'est vous. Il y a une situation ambiguë, hein. Une situation qui n'est pas claire et qui sera la cause de cette solitude, la cause de ce désespoir. C'est un secret. Si vous allez être témoin de quelque chose, c'est que vous serez dans l'obligation de tenir secret ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et là, ça va pas être facile à vivre pour certains. Oh, ok. On va voir, on continue avec les rêves enchantés pour les Gémeaux. On va voir avec la coupe. Les Gémeaux pour le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là, on tranche, on sème ce qu'on a. On récolte en fait ce qu'on a semé. On récolte. Il y a la récolte, la notion de récolter. Et un changement. On passe à autre chose. Hein. Grâce à ce travail. Ce travail. Grâce à votre travail. On passe à un autre cap. Alors, le passé. L'ancrage, c'est par rapport à un engagement. Pour certains, ça parle d'infidélité, hein. Le présent, ah, vous voyez, ça reparle vraiment le masque. Soit vous portez le masque, c'est la personne en face de vous qui porte un masque. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Il y a quelque chose qui est caché par rapport à cet engagement. Et là, enfin, vous allez être témoin d'une vérité où on vous offre la possibilité de démasquer quelqu'un ou démasquer la situation. La problème, ouais, parce que peut-être la personne n'a pas donné signe de vie depuis un moment ou elle n'a pas dit les choses correctement. Et c'est le moment de faire tomber les masques. La lettre, la communication, une information. Le message, c'est peut-être que vous êtes tombé sur un message, sur un SMS, sur quelque chose qui vous a permis de démasquer cette situation. Le présent. L'homme. Ça va vraiment par rapport à une personne, hein, qui est proche. Soit c'est une relation amoureuse, soit c'est amical ou familial. Et on parle d'un masque, d'un homme. Un choix à faire. Et il y a deux portes. Ça peut être c'est une situation triangulaire aussi, hein, pour certains. C'est une vie, une double vie. Hein. C'est pour ça il y a le mensonge, on mène une vie. Double vie, triple vie, peut-être même. Waouh. Bon, la synthèse. Entamer une procédure de séparation, quelque chose à régler aussi au niveau administratif. Voilà, mes chers Gémeaux, vous me dites ce que vous pensez, ça veut plus. Et au niveau travail, c'est pareil, ça peut être ça aussi le cas. Hein. Alors, on parle d'un passé présent pour les Gémeaux avec l'oracle des miroirs.
Quel est le message? On va faire la coupe déjà, oui. Coupe, c'est pas mal. Alors, distance et contraint. On prend, ouais, c'est distance par rapport à cet engagement. Hein. Voyez, prends ces distances. Ah oui, c'est vraiment là, il y a une décision à prendre par rapport à cet engagement. Hein. Parce que c'était pas, c'était imposé par rapport à vous, ou vous l'avez imposé cette vie, cet engagement. Et c'était faux en fait. Vous allez vous sentir trahi, ou vous, c'est vous que vous avez trahi la personne. Hein. Le étranger, le passé, ça parle de quelque chose qui est étrangère à votre foyer, à votre vie quotidienne. Un événement étranger, le présent, l'argent. Il y a de l'argent, du financier en jeu. Hein. Le questionnement, c'est la famille. On se pose des questions, oui. Bah, c'est un problème financier à partager. S'il y a une séparation, comment régler les dettes, les revenus, tout ça, tout ce qui était construit ou à construire pour certains. Une fois que les choses sont claires, c'est sans clair hein, entre les conjoints ou en famille ou au travail, ben, ça dépend. Famille, là, c'est vraiment plutôt famille, hein, problématique famille. Hein. Un problème financier. Le présent, accusation. Eh bien oui, s'il y a un mensonge, une vie mensongère, une situation mensongère, ben là, il y a des accusations. L'un, soit vous, soit l'autre. Soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de l'autre. Une perturbation aussi sur le foyer par rapport aux revenus, un problème financier, des dettes, et on accuse la personne d'être dépensière ou qui accrouge une double vie par rapport, pas forcément une vie mensongère, pas forcément dans le sens sentimental ou relation, et plutôt mener une vie de dépenses et. Ou peut-être envoyer de l'argent à l'étranger aussi. Sa famille est à l'étranger, c'est possible aussi. Il y a une accusation par rapport à ça. La synthèse, c'est la naissance. La naissance. Correspondance. Oh ! Il se peut pour quelqu'un, comme j'ai dit, une double vie. Et qu'il y a une annonce d'avoir un enfant d'une autre personne. Et là, c'est par le biais de messages que vous allez le voir. Vous allez vous en apercevoir, pour certains. Ouais. Soit c'est vraiment la vie menée en parallèle, soit c'est vous. Vous avez tenu secret, vous étiez enceinte. C'est possible aussi. Vous avez caché cette grossesse. Je peux que pour certains, ça parle vraiment tenir secret d'une grossesse. Ça va être révélé. Voilà. On passe à l'oracle G. Le passé présent, le lynx, et on a le choix. Il faut être attentif, vigilant à la direction à prendre. Vous étiez vigilant, peut-être vous étiez aussi témoin de quelque chose aussi. C'est ce que j'ai vu. Et on parle là d'une, il y a deux, une femme. Et mise en lumière. La présence de la femme. Il y a l'homme et la femme. Ça parle de deux couples. Hein. Ah, le présent. Le présent. La fille. Un enfant.
la famille, l'enfant, le couple. C'est très, très problématique au niveau famille, la garde d'enfant ou l'éducation d'une enfant, une fille brune. Pour certains, ça parle de son enfance aussi qui revient, le retour du vécu, le retour de son enfance. Un problème, pour certains, ça parle d'un secret de famille par rapport à l'enfance d'une fille. Vous avez peut-être croire que vous avez pardonné à ce problème qui s'est passé là, à l'enfance, mais ça revient. Vous voyez, le silence là, et ça serait peut-être besoin de révéler quelque chose aussi par rapport à son enfance. Ouais, un secret de famille. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là comme message? La femme, elle revient. La mère, ou la femme, cachée, ou c'est votre mère, ou c'est vous. Voilà, il y a le masculin, féminin, enfant. Il y a plusieurs messages divers et variés. Hein. Ça dépend, c'est pour ça qu'il y a des, ça dépend de chacun. Et. À voir. Alors, le passé, le problème, problématique. Le chien, la loyauté, la fidélité. Le problème, c'est la fidélité. On ne croit pas à la fidélité. On se pose des questions à la fidélité de la personne. La réponse, ce sera un déclic, une révélation, une aide. Pour mettre en lumière, pour voir plus clairement, pour vous aide à voir plus clairement. Et la synthèse des oiseaux, votre envol aussi. Voilà. Envie de prendre un autre tournant de sa vie. On a envie de s'envoler, de partir. Là, c'est l'envie de partir. De prendre son envol et de décider là, je pense, le mot de décembre, c'est une décision radicale. Pour certains, par rapport à cette révélation. Ou une prise de conscience aussi, hein. Peut-être une prise de conscience là. On se dit stop. Et on se rend compte hein, depuis un moment, mais là, des choses encore plus concrètes, hein, plus graves peut-être. Pour une situation qui pas grave. Et enfin, on se dit, bah non, stop. J'en ai assez. Le passé récent par rapport aux Gémeaux. Le passé présent. Cadeau. On vous offre quelque chose ou l'opportunité. L'opportunité. On vous offre le pardon. On vous offre la possibilité de faire ce détour, de prendre conscience. C'est un cadeau de la vie. De révéler quelque chose, on vous donne voilà un signalement, un témoignage, une preuve. Et le présent, naissance. Ah. Oh. Oui, l'enfant, naissance, bébé, on voit la naissance là. Ouais, peut-être la preuve de naissance ou c'est la naissance de cet enfant qui révèle quelque chose. Hein. Le problème, ça a commencé peut-être au mois depuis l'été, cet été dernier. Ou certains, c'est vraiment un cadeau de la vie de savoir que vous attendiez un enfant. Et que c'est commencé il y a 3 mois. Peut-être que vous ne savez pas. Ou vous ne le croyez pas. Un déni. Un déni de grossesse, si c'est possible, on ne s'attendait pas à ça. Et la réponse homme, H, O, voir qu'est-ce qui représente pour vous la lettre H. Hôtel, un hôtel. Et en été, qu'est-ce qui s'est passé là? Et la synthèse, l'argent, la richesse en labyrinthe. Une question d'argent qui perturbe un peu, voir peut-être pour comment s'en sortir,
on va s'en sortir financièrement, comment on va se débrouiller financièrement face à cette nouvelle. On se pose des questions hein, pour aussi, ou la synthèse aussi, l'argent qui arrive. Hein. Mais c'est plutôt vraiment une perturbation financière, perturbation de comment s'en sortir hein, financièrement. Voilà, mes chers Gémeaux, c'est bizarre votre message. Vous me dites ce que vous en pensez. C'est particulier. Voilà, c'est particulier. Bon, on finit avec la carte message oracle, mon oracle message des anges pour la synthèse globale, le message pour vous guider. Quelle est la guidance pour vous pour le mois de décembre? L'amour, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Voilà, elle est belle. Donc, c'est votre message de guide. Message à méditer. Oh là, j'arrive pas à le voir. Voilà, voilà. C'est mieux avec la réflexion. Le reflet lumineux là. Ouais, c'est bon. Voilà, l'amour, l'amour, l'amour. Je m'accepte tel que je suis et je m'aime. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous guidera et vous me direz ce que vous en pensez. Sinon, à la prochaine fois pour 2023. Ciao, ciao, bye.